Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons vous présenter nos nouveautés de Pâques. Et vu que le printemps arrive, nous vous avons également préparé une super routine skincare rééquilibrante et apaisante. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, enchantée, je suis Mathilde, responsable adjointe de la boutique Le Cheval d'Europe et je suis très heureuse de vous retrouver dans ce beau soleil. Nous allons découvrir cette collection de Pâques grâce à deux merveilleux cadeaux. Ici, nous avons l'essentiel du bain Let's Be Excellent, avec deux compagnons très gourmands mais aussi très farceurs qui adorent se cacher. Ah ! Ils sont juste ici. Nous allons avoir la nouveauté Chip Chip à base de bergamote et violette, des senteurs très printanières. Quand vous le mettez dans le bain, je vous invite à tendre l'oreille car il y a des cristaux pétillants, ça risque de crépiter. Enfin, nous allons avoir Follow the White Rabbit, c'est notre best-seller. Il va être au citron de Sicile, à la bergamote, encore une fois très sucré. Je vous invite à suivre son chemin arc-en-ciel qui vous emmènera tout droit au pays des merveilles. Pour les personnes pour qui Pâques rime avec œuf, nous avons tout prévu avec ce cadeau Happy Egg rempli de merveilles, à la fois pour la douche, pour le bain, de quoi ravir tout le monde. Et parce qu'un seul œuf ne suffisait pas, nous en avons caché un deuxième et pas des moindres, il s'agit de notre œuf vegan préféré chez Lush, Golden Egg. Rempli de paillettes, sa senteur est hyper sucrée grâce au mélange bergamote et orange du Brésil. Il y aura aussi à l'intérieur du beurre de cacao, de quoi hydrater votre eau, c'est vraiment incroyable. D'ailleurs, en parlant de paillettes, je sais pas si vous voyez, mais ici, il y en a partout. Et si vous aimez cette senteur, ces paillettes, il y a une version liquide à l'intérieur, vraiment de l'or en bouteille, c'est Golden Egg gel douche, tout aussi pailleté et tout aussi sucré. Le troisième produit, édition limitée que vous trouverez dans ce coffret, c'est le savon Rockstar Rabbit, juste ici. Pour sa senteur, on est sur de la vanille, une base de beurre de cacao très hydratante. Et pour les fans de la première heure, peut-être que sa senteur vous dira quelque chose, car c'est la même senteur que notre ancien savon à la coupe Rockstar, mais cette fois-ci grimé en beau lapin de Pâques. Notre collection de packs de cette année permet à la gamme Sticky Dates de s'agrandir. Pour les personnes qui ne connaissent pas encore, Sticky Dates, c'est un gel douche à base de 25% de sirop de date. Vous y ajoutez une gousse de vanille et vous avez un gel douche hyper sucré, c'est un plaisir sous la douche. Il est également très hydratant, c'est incroyable. Cette année, nous avons donc le gommage pour le corps Sticky Dates à base de sucre roux. C'est parfait si vous ressentez la peau un petit peu sèche car à l'intérieur vous allez avoir du beurre de cacao et de l'huile d'argan. Donc c'est un gommage en douceur. Pour la senteur, je vous laisse imaginer un caramel beurre salé, mais vraiment des plus exquis, c'est magnifique. Et comme la gourmandise ne s'arrête jamais chez Lush, nous avons créé la crème pour le corps qui va avec. La même senteur sucrée, encore une fois, addictive, c'est incroyable. Et très riche car vous allez avoir du beurre de cacao, du beurre d'ilipé et en même temps de l'huile de jojoba. Super doux, c'est parfait. Avec l'arrivée des beaux jours, nous vous avons préparé une routine rééquilibrante et apaisante. Notre routine de base va se composer d'un nettoyant visage, de soins pour la peau et d'une crème hydratante. Commençons avec le nettoyant Angel on Bare Skin. Il s'agit d'une pâte nettoyante 100% naturelle à base d'argile. Il faudra prélever un peu de produit, l'humidifier. Plus vous l'humidifiez, plus ça fera une texture laiteuse très agréable grâce aux amandes moulues à l'intérieur. Les amandes moulues qui aideront aussi à faire un gommage tout en douceur. Donc c'est un nettoyant qui est très bien pour les peaux sensibles. Vous allez avoir aussi la lavande rééquilibrante à l'intérieur, donc ça c'est très bien pour les peaux mixtes. Pour les soins, nous avons sélectionné deux masques. Le premier, c'est Mask of Magda Minty dans sa version autoconservée. Vous avez plus de 25% de miel à l'intérieur. Le miel, c'est super pour ses propriétés cicatrisantes et antibactériennes. Ici, c'est un masque parfait pour les peaux tendance excès de sébum à mixte. Vous allez avoir une base d'argile qui va être absorbante. Et c'était aussi un masque gommage. À l'intérieur, vous allez avoir des haricots azuki moulus et des graines d'onagre. C'est un masque que vous pouvez utiliser à la fois pour le visage et pour le corps. Également, notre masque Cup of Coffee est aussi pour le visage et le corps. Cette fois-ci, c'est un masque vegan à base de sirop d'agave et d'infusion de café. Vous allez également y trouver des grains de café moulus pour faire un gommage en profondeur et booster votre teint tout en douceur. Il est vraiment super sympa. Finissons cette routine avec Vanishing Cream. Je suis très contente de vous la présenter car c'est la crème que j'utilise moi-même. C'est une crème parfaite si on peut avoir
de temps en temps la peau qui brille à certains endroits et en même temps des imperfections type bouton. L'hydratation va se faire par l'huile de jojoba. C'est l'huile qui se rapproche le plus du sébum naturel de la peau. Donc ça va pénétrer assez rapidement, ça va laisser une texture vraiment très légère. C'est très agréable quand on n'a pas envie justement de rajouter une texture riche sur la peau. Vous allez avoir aussi des agents antimicrobiens comme l'huile de pépin de raisin qui va là agir justement sur le côté bouton. Vous allez aussi avoir de la lavande qui va être rééquilibrante et qui va lui donner sa senteur vraiment douce. Donc voilà pour cette routine parfaite pour démarrer le printemps et les beaux jours. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube et activer la cloche des notifications pour ne pas manquer notre prochaine vidéo. Elle présentera une routine du soir et une routine du matin à l'occasion de la journée mondiale du sommeil. Je vous dis à très vite!